vocation à revisiter l'histoire. Elle l'a dit, Torrey Canyon, Amoco Cadiz, Olympic Brewery et tant d'autres, les RICA bien sûr, qui ont marqué douloureusement nos mémoires. Quand on s'attarde par exemple sur le plus redoutable des naufrages, celui de l'Erika, il faut se rappeler que ça représentait 400 km de côte polluée, j'ai envie de dire, de côte violée. Ça représentait le plus grand massacre ornithologique qu'on ait connu, c'est-à-dire 150 000 oiseaux. On en a récupéré 74 000 vivants et morts, et 36 000 qui sont arrivés dans les centres de soins. Et disons les choses simplement, il y en a 2200 qui, après un travail admirable de la part des bénévoles, ont repris leur envol. C'est-à-dire si peu de choses, très peu de choses, même si pour nous, chaque vie compte. Parce que dans le monde de l'ornithologie, on parle souvent d'espèces en déclin. Bien derrière l'espèce, il y a les individus. Et chez les individus, il y a potentiellement la souffrance. Quand je regarde ton œuvre, Sophie, il y a une chose qui m'apparaît, d'abord c'est bouleversant, c'est très puissant, enfin tous ces mots qui vont être dits beaucoup mieux que moi par un critique. J'en viens à l'idée de l'âme. Est-ce qu'au fond, les animaux ont une âme? Alors pour pas mal de minorités ethniques, c'est évident. Les animaux sont nos frères, nos sœurs, etc. On le sait, les Inuits, les Indiens d'Amérique du Sud, les minorités en Asie du Sud-Est, etc. Ou dans l'histoire. Et puis dans la religion catholique, François d'Assise nous ouvre la porte de l'âme. Et enfin, quand on regarde l'origine du mot animal, on se rend compte que ça vient du latin animal, anima qui signifie souffle, âme. Donc il y a de l'âme dans l'animal, même si cette âme n'est pas reconnue. Eh bien Sophie, je voulais te dire ce soir, en regardant tes peintures, je trouve que tu révèles l'âme des oiseaux. Et ça, c'est du grand talent, je t'en remercie. Ah, la peinture de Sophie Rocco est une peinture difficile. La matière de Sophie Rocco est une matière première, élémentaire, j'ose dire archaïque. Les êtres qu'elle peint, les entités, ne sont pas des représentations d'oiseaux, mais des entités qui font présence. Qui pourraient être des entités humaines. C'est la créature qui est souillée, pas seulement l'oiseau. À travers les oiseaux, c'est l'humanité qui est souillée. Et dans cette peinture de combat, dans cette peinture d'exorcisme, règnent au centre de l'œuvre des taches noires, des taches d'opacité, des taches de mort. Est-ce que ces taches vont envahir toute la toile? Est-ce que la mort va envahir tout l'univers? Est-ce que la mort va disparaître? Est-ce que la mort va être vaincue par l'énergie latente qui règne dans les peintures de Sophie Rocco? C'est un peu l'histoire de cette peinture. Ce n'est pas une peinture de représentation, mais de présence forte, de présence troublante, de face à face délicate. Un artiste, il lui est facile de choisir une diversité de couleurs évidentes et séduisantes. Ce n'est pas le cas. Chez Sophie Rocco. On est au contraire dans un resserrement austère de valeurs, avec une sorte de taux de compression intériorisé, une intraversion picturale extrêmement forte, extrêmement dense. Et grâce à ces artistes, nous pouvons vivre, nous pouvons espérer vivre. Merci à Sophie Rocco, merci à l'Association de la protection des oiseaux. Les oiseaux, ceux de l'âme, ceux du ciel, peut-être ceux de l'eau, enfin peu importe, nous sommes aussi des oiseaux. Merci aussi à l'espace, Christiane Peugeot. Merci de votre attention. Merci Christian.